Je l'attendais, je redoutais. En fait, c'était exactement les deux. C'est-à-dire que j'étais en attente du procès parce que c'est important qu'il y ait un procès. Et je le redoutais parce que, comme vous pouvez le voir, ça remonte tout. Et j'ai aujourd'hui l'impression d'être revenu 5 ans en arrière. Donc c'est très difficile. Je me sens exactement comme je l'étais il y a 5 ans. Donc il faut que je reprenne des forces assez rapidement pour pouvoir continuer encore le chemin de ma vie. Ce qui m'a été le plus positif, en tout cas pour me donner de la force de continuer, c'est le témoignage effectivement de toutes les victimes. Alors comme je l'ai dit, victimes blessées, victimes directes, indirectes, ayant droit, ricochet, toutes ces victimes qui ont témoigné ont montré à quel point ils étaient meurtris par ce qui s'était passé. Et en fait c'est ça qui finalement me donne le plus de force, et c'est en fait ça que je retiendrai le plus de ce procès, que finalement les questions qui avaient hanté un petit peu mes nuits il y a quelques années. Cette réaction héroïque.